Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour jouer à Rage Racer et non pas Ridge Racer sur PlayStation, un jeu qui est sorti en 96 au Japon et 97. Alors je suis allé un petit peu trop vite. Pourquoi le jeu ne veut pas de moi? Voilà, Rage Racer, pardon, sorti en 97, donc on a dit en Europe et aux États-Unis, et 96 au Japon. Vous avez remarqué l'introduction qui m'a fait fort sympathique, même si je pense que celle du 4 est quand même un peu plus épique. Enfin, du 4, parce que là on est sur le troisième jeu en fait de la série des Ridge Racer. On avait fait le premier, on avait fait le quatrième. Et il faut vraiment que j'arrête, il faut vite que je fasse start, sinon on va passer directement à la mode démo. Et c'est aussi la première apparition de Riko Nagase, donc... Vous l'avez vu brièvement, il y a aussi pas mal de... L'introduction elle est en... Avec ton image de synthèse, et je crois que c'est la première fois aussi. Voilà. Donc, on a un menu Grand Prix, un mode Time Attack, un mode Save Load, chargement, enregistrement, et les options. On va aller voir les options directement. Donc, normalement, on a les trophées, on a la configuration des touches, la balance du volume, le music player, la gestion screen et l'exit. Si on va dans les trophées, on n'a rien. Puisqu'on a bien entendu rien gagné. Et du coup, on va faire. Je vous propose pour commencer un mode de. Bah, pourquoi pas un mode Time Attack, histoire de découvrir un petit peu le jeu. Donc, c'est parti. On a qu'un seul ranking and Time Attack. On va donc choisir notre véhicule. Et avec les véhicules, quand même, sont assez carrés, assez dégueulasses. Il faut vraiment, si vous voulez, vous pouvez comparer avec le 4. Pour voir quand même le chemin parcouru entre la version 4 et la version 3 du jeu. Alors, au niveau de la voiture... J'ai l'impression que j'ai que cette voiture, c'est un peu bizarre. Pourtant il me dit que j'ai 13 voitures. Alors on va faire exit, je sais même pas comment on change la voiture. Attendez, on va faire car select. Là, on peut changer le circuit. Donc on a le Mythical Coast, 747 mètres. On a le Overpass City. On a l'Exile Gate. Regardez quand même le circuit. Regardez-moi la hauteur, enfin le dénivelé qu'on a sur ce genre de tracé. C'est assez exceptionnel. Donc 3 courses pour le moment. Par contre, Car Select, j'attendais à autre chose. Moi, je pensais qu'on aurait plus de choix. Mirror of Car, 1x13. Je peux pas descendre en fait. Je sais pas comment... Alors si j'appuie sur la touche R et L, je vais faire tourner le véhicule. Alors je l'ai pas dit, c'est le jeu édité par Namco. On a Restart Course Select, on va faire Customize. Et on va voir ce que l'on peut changer. Par exemple, on peut changer les pneus pour plus de grip ou plus de drift. Je vais laisser entre les deux. Au niveau de la transmission, on va rester en manuel, on va faire Exit. Donc on va faire Restart. Par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression que je me poche. Merci. Donc c'est parti. 3, 2, 1, go! Alors là, on n'est pas perdu, vous aurez compris. On garde exactement le même style de Ridge Racer au niveau de la conduite. On est assez souple. On peut changer la vue avec triangle. Et je crois qu'on a que... Bah voilà, on a que deux vues. Une vue d'ailleurs assez rapprochée. Alors là par contre, vous allez vous rendre compte que le jeu a extrêmement vieilli en termes des graphismes. Alors par contre, je vais juste baisser le son de mon côté parce que c'est vraiment pas possible. Le jeu est vraiment trop fort. On va le mettre... Je vais baisser un peu. Pour vous, ça changera pas grand chose. Donc, regardez-moi ce circuit, regardez-moi la descente incroyable que l'on se tape pour aller, pour aller vers le port. Alors, le niveau de détail est toujours aussi élevé, par contre, ça c'est vraiment toujours aussi impressionnant. Il y a beaucoup de décors. C'est assez propre aussi, mine de rien. Alors, par contre, c'est des textures qui sont très plaquées dans le sens où il y a peu de. Peu de place en fait, peu de luminosité en fait, peu d'effet de lumière, et du coup ça rend les décors très austères.
c'est un petit peu dommage. Donc là on a pris le premier circuit qui est censé, je pense, être le plus facile, mais bon, quand je vois le dénivelé et tout et comment il est formé, je me dis qu'en fait c'est super dur. Alors aussi pareil, hein, la gestion des collisions est assez mauvaise. Alors, on va resituer dans le contexte quand même. On est en 97. Donc enfin, 196 et 97, donc vraiment pour l'époque c'est un jeu qui est quand même très très joli. C'est pas le plus beau jeu de la PlayStation, mais pour l'époque c'est quand même pas mal. J'apprécie vraiment l'effort fait au terme de graphisme. Et voilà, le manque d'effets lumineux est un petit peu dommage. Alors la manivité n'a pas trop bougé, alors normalement je suis censé déraper. Mais je vous avoue que ce genre de vue, ça aide pas à déraper en fait. Normalement pour déraper je crois qu'il faut lâcher l'accélérateur. Et encore là, elle a pas dérapé du tout. Il faut appuyer sur le frein. Ah oui, c'est joli sur les côtés, mais je ne peux rien faire, hein. Je peux pas quitter la course, hein. Je peux pas me mettre trop sur les bords parce que je vais avoir un effet de collision comme un mur invisible. Elle galère un petit peu à remonter la voiture, j'ai l'impression. Enfin, j'ai essayé avec le carré, mais c'est vraiment pas ça. Attendez, on va retenter. Là, vous manquez quand j'appuie sur le carré, il se passe rien, hein. Les phares à l'arrière s'allument même pas. Alors pour ceux qui vont comparer toujours avec Ridge Racer Team 4, il y a quand même énormément d'années d'écart entre les deux. On parle quand même de l'année 96-97 à l'année 99, donc c'est évident que... Regardez, là j'ai dérapé en freinant, donc c'est pas mal, elle a dérapé, mais bon, c'était vraiment bizarre. Mais j'ai fait quasiment le même temps au tour pour 50 minutes, c'est incroyable quand même. Je pensais avoir vraiment amélioré mon tour, mais en fait pas du tout. On va comprendre. Là j'ai tapé. Vous voyez le mur invisible quand même, hein. On a quand même un petit décalage d'au moins 40 à 50 cm avec le. Oh, vous avez entendu ce bruit de dérapage, il est magnifique. On a eu un petit décalage au niveau de la texture d'au moins 40-50 cm. Et pourtant le jeu a interprété ça comme une touchette. C'est un petit peu dommage. Oh, on a sauté aussi, j'ai pas figuré. J'aime bien cet endroit. Accès exceptionnel, la descente comme ça, on a l'impression qu'il y a un dénivelé de 40% limite. Le jour où il neige dans cette ville, c'est mort. Oh regardez, le ciel change, la colorimétrie change, j'ai pas fait gaffe. Regardez, on se retrouve un petit peu en fin de journée, j'ai pas fait attention à ça. On est passé d'un ciel bleu à un ciel un petit peu fin de journée. Voilà, j'ai essayé de faire un dérapage, j'ai pas réussi du tout. Un peu dommage. Je vous remets un petit peu la vue intérieure qui est quand même la plus immersive. Et ça par contre, ça a beau être le 3, depuis la première version, ça reste quand même toujours aussi impressionnant. Allez, donc ouais, on va faire un tour supplémentaire. Ah bah voilà, donc, de toute façon il y a trop de tours à faire, donc on n'aura pas de tour en plus à faire. Alors l'avant est un petit peu bizarre, ça fait un petit peu mix de Skyline avec une Galant VR4 et un arrière de Sylvia mélangé à autre chose. Enfin c'est vraiment un mix de voitures qui n'existe pas, mais bon. Alors là je peux rentrer mon nom. On va pas le faire, parce que franchement... Allez, c'est vraiment trop long. Quand même tout... Normalement c'est genre ces 3 lettres qu'il faut rentrer et là on en a au moins 6 ou 7. Voire 8. On va faire End Time Attack, on va faire le mode Grand Prix. Alors c'est le premier mode Grand Prix, c'est le premier mode carrière de la série des Ridge Racer, faut le savoir aussi. C'est pas le 4 qui a inauguré ça, c'est vraiment le 3. Personne ne sait comment les courses commencent. Ou comment les pilotes ont été connus comme des coureurs rageux, je sais pas comment traduire ça.
Ils vivent très dangereusement, proche des limites. Ils poussent leur voiture et essaient tous les limites. Et ça va trop vite. Pour satellite, pour beaucoup de personnes satellites, tout le monde entier sont leur circuit de vitesse. Enfin, je peux pas expliquer. Mais par contre, il peut y avoir qu'un seul et ultime Rage Racer. Voilà, je suis désolé pour cette traduction boiteuse, hein, vous connaissez mon niveau d'anglais. Mais bon, vous aurez compris après le principe. Alors par contre, ce genre d'introduction en écriture comme ça me fait penser à Escombat 1. Enfin, Air Combat. On en peut choisir la classe, regardez, on a la classe... Alors ça c'est le... Alors, je ne comprends pas trop en fait. Là, je peux choisir mes courses. Donc on aura 3 courses, toujours, jusqu'à tout va bien. Critical cost. On peut... Voilà, classe 1. J'ai qu'une classe pour le moment. Et là, eh ben, je peux toujours pas choisir ma voiture. J'ai toujours la voiture pourrie. Customize, ça fait rien. Engineer shop, course select, je peux le faire. Engineer shop, on peut acheter des choses. Regardez, on peut aller dans tune-up. Alors, j'ai que 0 crédit, donc j'ai pas de monnaie, je ne peux rien acheter. Mais j'imagine qu'on peut faire progresser la voiture ensuite. Car shop, engineer shop, on va voir car shop. Ah ben voilà les voitures, enfin. Alors, on a cette magnifique petite voiture. Je sais pas à quoi elle pourrait ressembler, mais bon, on a un mélange de 4 chevaux avec un avant de... Je sais pas, on dirait un avant de... Ouais, de mini encore, faut le dire vite, c'est pas la bouche. De Porsche presque. On a une... Ouh, ça fait penser à une voiture américaine, ça on dirait une Pontiac. Bon, évidemment, ils appellent ça une Lizard. Pour l'instant, j'ai côté voiture possiblement achetable. On voit les courbes de puissance, de grip, d'accélération, etc. en bas, hein, vous pouvez le voir avec les petites barres comme ça. Je trouve le menu plutôt bien fait, très clair quand même, il n'y a pas trop, pas grand chose à redire là-dessus. Bon, par contre, j'ai plutôt envie de prendre celle-là, mais bon, j'ai pas d'argent, donc on va faire exit. Et la mienne, regardez, elle est un petit peu entre les deux. Bon, à l'avant, on dirait le bas d'une Skyline et à l'avant d'une Galant, quoi, c'est impressionnant. Allez, c'est parti pour la première course. On va mettre Mathémabit, pourquoi pas. Et la petite pin-up. 1, go! Ok, départ moyen. On a 12 voitures contre nous. C'est quand même pas mal, 12, hein. Je sais plus combien il y en avait dans Ridge Racer, mais ça me paraît quand même beaucoup. Il faut que je finisse dans les 3 premiers dans tous les cas. Et boum, déjà, et reboum. Quelque chose me dit qu'on va finir très très loin la course. Alors c'est un jeu où on est en miles par heure, vous avez remarqué 56 miles, 60 miles, donc faites pas attention, on n'est pas à 60 km/h. Alors la fontaine c'est pas mal, fontaine animée c'était plutôt pas mal, la chute d'eau je veux dire. On va essayer de dépasser... Oh alors on va essayer de dépasser tout le monde. Ouais, la gestion des chèques, des chocs c'est vraiment pas ça. Et le drift, je sais pas du tout comment le faire. Donc on va pour l'instant essayer juste d'être tranquille sur les virages. On a une time limit qui est de 9 minutes, mais regardez, on n'a pas de time out en tant que tel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de checkpoint. Donc on a 3 tours à faire, je pense que ça va être largement faisable dans les temps. Par contre, là, je galère vraiment à ne pas prendre les bords de la piste. C'est très 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 rigide, hein. Pas tant en termes de maniabilité, parce que je tourne plutôt bien, mais c'est vraiment en termes de... En termes de choc, hein, c'est fou mon dieu. Regardez là par exemple, je tourne directement. En fait, quand je relâche l'accélérateur, la voiture a tendance à tourner d'un coup. Un peu comme là. Voilà, ça m'avantage un peu finalement parce que le virage était serré. Et c'est vraiment pas facile à prendre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quasiment 3 stades de. Enfin, 3 façons de tourner. Il y a on tourne en accélérant à fond. Donc là, la voiture elle tourne légèrement. Enfin, elle est plutôt posée. On a je tourne en relâchant, donc là elle prend un peu plus de virage. Et le troisième stade avec le je freine et je pars en drift. Et là elle part à l'équerre et c'est encore plus difficile. Pour l'instant je vais me contenter juste de les rattraper. Je tente même pas de faire un. Là je l'ai bien pris. Et pourtant j'ai pas drifté.
Bon, l'affichage lui aussi est clair, hein, la HUD, vous aurez compris les positions à gauche, les records à droite, et en bas on a le time limit et la vitesse, la vitesse enclenchée. Ah bah là, ça a dérapé tout seul, j'ai même pas fait carré. Donc ouais, dans le même temps, j'ai fait un tour en 1.34, je pense que je peux te faire mieux. Je vais faire un tour en dessous d'une 30 parce que tout à l'heure j'avais fait une 30 deux fois. Je me dis, il n'y a pas de raison pour que je fasse pas mieux tout à l'heure. Alors là, ça sert à rien d'axe de freiner, hein, on s'en rend compte. Et à virage, on va juste ralentir un petit peu. La voiture est partie un peu en clérif quand même. La distance d'affichage est aussi pas mal. Alors, il y a du clipping toujours, sur PlayStation. Mais quand même, on a quand même une vision assez éloignée. Donc, on a quand même pas mal de temps pour pouvoir anticiper. Ah, je l'ai presque bien pris. Par contre, ce bruit de drift est quand même un peu exagéré. Il est très très aigu. Ça fait. Fait limite mignon, quoi. Ça fait pas du tout voiture. Bon, l'IA nous embête pas, hein. Nous laisse passer, elle nous bloque pas, enfin, elle nous laisse faire notre vie. Bon, bah là, je l'avais bien pris. Alors, pour reprendre la vitesse, ça va être très compliqué. Ouais, bon, là, j'ai complètement galéré. Mais c'est quand même très très surprenant, hein, la réaction de la voiture au freinage ou dans un virage en dérapage, je sais pas du tout le maîtriser. Je pense que ça s'apprend, hein. Je pense que quand on a l'habitude, après il y a moins vraiment de s'éclater. Et tant qu'on ne maîtrise pas, bah, on oublie un peu, on évite justement d'avoir ce genre de drift. Là on est second. Ah, je vais pouvoir attraper le premier, on est dans le dernier tour. Ah non, c'était un retardataire déjà, donc finalement on reste deuxième. Ah, j'y ai cru. On sait vraiment qu'on pourrait passer. Le premier, je sais pas où il est. Bah, c'est le dernier tour, donc c'est mort. Une 26, une 28. Et le petit hommage, vous avez vu sur l'écran de fin dans le jeu. Au chargement en fait de Ridge Racer. Parce qu'il faut savoir que dans le premier Ridge Racer, quand on faisait un chargement, on pouvait jouer une sorte de petit arcanoïde en deux dimensions, on pouvait tirer dessus. Et ils ont gardé un petit peu ça, mais pas dans les chargements cette fois-ci, mais l'écran de fin du jeu. Les replays sont toujours aussi sympas, toujours aussi dynamiques, franchement, c'est pas mal. Donc on finit deuxième, avec un temps... Donc j'ai gagné 160 crédits. Oh, ce bruit dégueulasse, franchement. On dirait qu'on a eu un problème sur le son. Et alors, vous pouvez voir qu'on gagne plus de crédits si on fait la deuxième course à la troisième course. Je vous propose évidemment de découvrir cette troisième. On va garder la classe 1. Attendez, si je passe là, est-ce que j'ai deuxième classe? Non, je l'ai pas. Pour l'instant, je vais garder celle-là, puisque je n'ai que cette voiture. Donc c'est parti, on va découvrir le second circuit. Start your engines and let's get it on. And let's get it on. 3, 2, 1, go! Postérité sur... Très bon départ. Ah non. Ah non, il m'a eu... Il n'a pas démarré. Il n'a pas démarré, mais en fait, bon, elle a démarré, elle l'a mis avant. Quoi. Je pense qu'elle a démarré une meilleure accélération que moi. C'est moi ou j'ai pris le même circuit? Attendez, avant de dire des bêtises, on va quand même vérifier si c'est vraiment le cas. Ouais, non, ça commence pareil, c'est bizarre. Ah non, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, c'est juste... En fait, c'est le même... Comme c'est plus ou moins la même ville... Alors, on va juste prendre des embranchements différents. Et là, du coup, on se retrouve... Regardez la montée, comme elle galère, je perds même de la vitesse, quoi. Regardez-moi cette montée. Là, on est à San Francisco, là. C'est un hommage au jeu qu'on a fait juste avant. Ah, franchement, les circuits, super sympa. Franchement, ça, c'est vraiment, vraiment ce que je pourrais donner en qualité première. C'est les tracés. Alors certes, ils sont très difficiles, du coup.
Mais franchement, c'est l'éclate quoi. Ça manque juste de fun au niveau des voitures. Mais il y aurait de quoi faire ça avec un jeu un peu plus fun à la Mario Kart ou avec Destruction Derby. Parce que vraiment, c'est l'éclate. Et regardez quand même le nombre de détails à la seconde, c'est vraiment vraiment impressionnant. Enfin, Namco, ils ont vraiment géré au niveau de la gestion de la capacité de la player. Y'a rien à dire. Alors, le sixième. Alors je découvre le circuit en même temps que vous, hein, donc c'est pas forcément évident de savoir, enfin d'anticiper. Alors on est revenu sur la portion qu'on connaît. Aïe, on a tapé. Donc là on voit la fin du circuit qu'on connaît. Ouais, je parle de cet écran là avec le Yuri Up, aussi un petit hommage avec un petit Pac-Man. Alors je sais pas si on peut débloquer le jeu de Pac-Man comme c'était le cas dans le Ridge Racer Type 4. Je bride à 100 miles par heure. Alors, il va falloir refaire les courses plusieurs fois, puisque si on veut acheter une nouvelle voiture, vous avez vu c'est 4000 à peu près. Donc là avec le peu d'argent qu'on gagne, il faudrait qu'on gagne la course tout le temps. Et finalement, regardez la glisse, ça m'a fait perdre du temps. Hein. J'ai perdu un rapport. Et du coup, là, je bloque à 55 miles, j'étais à 71 tout à l'heure. Bon, ça va repartir d'un coup, mais. J'ai perdu énormément de temps sur la relance. Alors, ce qui est sympa, je trouve, par rapport à. Pardon, pour me recharger ça. C'est vraiment le time out qui est quand même plutôt sympa. Enfin, là, regardez, on a encore 6040. Faudrait vraiment, vraiment le faire exprès pour se louper. A voir pour le troisième tracé, mais en tout cas pour les deux premiers, c'est largement suffisant. Regardez, on fait le tour en 2 minutes. Logiquement, si on fait 3 fois le même tour, on va faire 6 minutes et quelques. Là, il me reste 6 minutes et j'ai déjà fait un tour. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment abordable. Bon, par contre, il va falloir que j'arrête de me prendre les murs parce que sinon, je rattraperai jamais le premier. Surtout c'est dommage parce que le premier, il nous ferait vraiment gagner du crédit. Donc, à 540 crédits ou 560 à la clé. Alors, je pourrais changer la vue, on va le faire vite fait, voilà, pour vous faire plaisir. Alors c'est un jeu qui a été assez bien noté. Oh, il y a un petit effet de ralentissement là, par contre vous avez vu. Assez bien noté que le premier Ridge Racer et moins bien que le Type 4. Mais bon, ça reste un jeu plutôt sympa. Regardez le ralentissement. Et quand je change de vue, ça va beaucoup mieux. Et on était à la lutte avec le premier à l'extérieur, il va le toucher, il va même l'envoyer dans le mur, on est super sympa. Alors quand j'appuie sur les touches L2 R2, il se passe rien. Par contre, voilà, si je fais le 2R2, il se passe rien. LR1, il se passe rien parce que je pense que c'est pour changer les vitesses. Donc là, quand on ne le change pas, ça va pas d'impact. Donc carré pour freiner, rond, je pense que c'est la marche arrière. Et. Enfin, rond, c'est la marche arrière. Rond, ça sert à rien en fait. Et voilà, et encore une fois, j'ai perdu de la vitesse. J'ai pas de vue arrière, par contre, vous aurez compris. Select ne sert à rien non plus. Alors il me semblait qu'avec Select plus une touche ou une combinaison de touches, on pouvait changer la musique à la volée. Alors je sais pas si c'est dans le 4 ou juste que je connais pas la combinaison. Bon, je suis en tête. Alors là en classe 1, hein, ce qui fait que je pense que les classes au-dessus vont être beaucoup plus rapides. Classe 1, c'est vraiment, je pense, le plus simple. Et je pense que d'ailleurs, en classe 2 ou en classe 3, ce genre de circuit va être très très compliqué. Mais alors, vraiment, parce que si on augmente. Oh, il commence à faire nuit un petit peu. Voilà, en tout cas couvert. Bon, moi, je pourrais vous montrer une victoire dans Ridge Racer, ça c'est bien. Voilà. Rage Racer. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Ils auraient pu très bien l'appeler Ridge Racer 3 ou. Pourquoi Rage Racer? Bon, effectivement, il y a un petit peu le synopsis qui nous explique, mais.
Ah, je sais pas. Du coup, ça donne l'impression que c'est même pas le même jeu en fait, que c'est pas la même série. Alors qu'en fait, c'est le même jeu. Et donc là, on gagne. Voilà la victoire. Ouais, la musique toujours aussi sympa. Toujours aussi entraînante et finir en premier. Et du coup, on gagne, regardez, 550 crédits. Voilà, ça, j'étais pas loin. Oh, ce son qui fait toujours aussi plaisir. Ouais, alors c'est pas forcément pire, enfin, c'est un petit peu quand même par rapport au son du crédit Gran Turismo, mais bon. Alors, on va faire. On va passer du coup. Calme Grand Prix, le Grand Prix Calme. Je sais pas pourquoi vous en appelez Calme, mais bon, en français, bon, vous aurez compris ce que ça veut dire. On va garder la classe 1, bien sûr. Car Select. Et on va voir si on peut. Engineer Shop. Est-ce qu'on peut acheter des trucs non. Ah non, Tinofi, c'est 1600. D'accord, ok. Donc là, on a que 710, donc effectivement, on pourra rien acheter. Alors, c'est dommage parce que je peux pas changer aussi la couleur de la voiture. Ça aurait plutôt sympa de pouvoir un peu au moins changer ça. Car Shop, on avait dit que le coût c'était 2600. Ah, c'est 2600. Bon, la première. Bon, à part pour la maniabilité, elle donne pas trop envie non plus. Et c'est parti. Racers, start your engines and let's get it on. Ouh, quelle voix sensuelle de l'appareil. 3, 2, 1, go! Ah, je pensais avoir fait un super départ encore une fois, mais c'est un échec. Alors là, normalement, on devrait aller à gauche dans le tunnel. Alors j'imagine qu'il y aura d'autres circuits à débloquer. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que vous aurez quand même remarqué qu'on gagne vraiment du temps en mettant qu'une portion similaire pour tous et le reste différente. Ça permet de gagner de la taille de jeu et du temps de développement. Hein, donc, Alors on va aller à gauche. Voilà. Oula, alors ils disent qu'il y a un virage quand même, heureusement d'avoir prévenu. On a des petits téléphériques en haut. Alors vous aurez plus le temps que moi de voir les détails. Hein. J'aurai des quoi en temps que vous, mais de mon côté ça va être compliqué. Alors on a l'effet des chutes d'eau aussi. Hein, je sais pas si... Ah, j'ai perdu du temps, heureusement. Alors ce qui est bien, c'est que les voitures qu'on dépasse nous montrent les voitures qu'on est censé débloquer logiquement dans le jeu. Oh, il y a une pub pour Escombat 2. Incroyable. Attendez, il y a une pub pour Escombat 2. Le jeu est sorti début 97. Ouais, je sais pas quand Escombat 2 est sorti, mais potentiellement que c'est de la promo pour un jeu qui est pas encore sorti. Ouais, c'était pas un jeu, c'était une équipe. Advan Racing. Ok, bon bah là on reprend. Ouais, il y a Time Crisis aussi, en publicité. Ah, il y a Advan, oui, il y a vraiment le sponsor Advan. J'ai pas fait gaffe et voilà, j'ai fait n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai sponsor parce qu'Advan c'est une équipe mentie, il me semble. Bon, je suis 5ème, il reste 2 tours à faire. C'est, je pense, aïe, faisable si je fais pas de bêtises. Par contre, j'aurais vraiment voulu. J'aurais vraiment voulu être un petit peu plus performant et pouvoir gagner la course, donc j'espère qu'il faut pas trop que je fasse d'erreur en fait maintenant. Allez, on est troisième. Alors ce qui est paradoxal, c'est que j'essaye justement d'éviter de déraper, alors que normalement c'est un jeu qui est censé un peu nous forcer à le faire.
Comme je disais, j'imagine mal ce genre de circuit en vrai. Même une route, ce type de route sans parler de course, en vrai quoi, enfin c'est... Ça paraît totalement improbable, enfin je veux dire, il y a tellement de dénivelé que les voitures, il y aurait 10 000 morts par jour, c'est pas possible. Ok, on a passé le deuxième. Pas le deuxième. Oh là là, mon dieu, c'est scandaleux. Je n'arrive vraiment pas à anticiper les virages. Hein, c'est... Ah oui, chose que j'ai pas remarqué, c'est que le contour à droite change de couleur quand on est dans le... Quand on est dans le tunnel, ben un peu comme quand on allume les phares, en fait, les instruments de bord ont tendance à s'éclairer avec. Que de temps perdu. Ouais, j'ai fait une seconde de muet, alors j'ai vraiment fait un temps pourri. Le premier va être très difficile à aller chercher. Alors la fille qui parle derrière, on sait pas si c'est Riko Nagase. Mais en tout cas, elle a une voix pour Maiken, donc j'espère que ce soit elle vraiment. Mais j'espère que c'est pas elle, parce que franchement, c'est une voix qui lui sied pas du tout. Alors, est-ce que le leader est là, ou est-ce que c'est un retardataire? On va voir. Bah ouais, le leader est là, il va nous pousser même, c'est parfait. Yokohama aussi, j'ai pas fait attention. Un sponsor. Ouais, c'est très difficile à anticiper, on sait pas quand le drift va s'arrêter, on sait pas quand il va reprendre. On sait pas où ça va nous emmener, enfin c'est pas évident, hein. Vraiment ce dérapage. Oh non, il va nous dépasser à la fin. Je sais pas pourquoi, je m'y attendais. Bon, cette fois-ci... Alors j'ai dérapé, mais ça a failli vraiment être le pire moment, j'ai failli vraiment perdre la course comme ça. Ok, donc là on a remporté la course. On va voir du coup ce qui se passe. On est premier, jusque là c'est bien. Alors du coup, on a un class-up bonus de 500. Ah, ça fait plaisir. Je vous laisse sur ce son magnifique. Ça fait plaisir. Yeah! Ok, bah écoutez, on a débloqué une classe, c'est pas mal. Alors vous remarquez qu'on ne choisit pas forcément d'équipe pour le moment. Alors là on est en classe 2, hein. Donc on a le Bryce GP, le... Toujours le même, hein. En attendant Bryce GP, ouais, par exemple, c'est la seconde coupe. Le code mythique, on va passer toujours, le side gate, j'ai pas débloqué le circuit par contre. Par contre là on va gagner vraiment de l'argent. On va faire car select. J'ai pas l'impression, ça c'est une grade 1, donc pour l'instant on peut pas choisir autre chose. Et je peux acheter des grades 2, donc en fait je peux directement prendre celle-là en grade 2 ou même celle-là en grade 3. Par contre elles valent super cher, regardez-moi ça. Celle-là elle est à, on dirait l'arrière d'une Renault 5 Turbo. Ouais, Renault 5 Turbo, et l'avant, on pourrait croire que c'est une... rien du tout. Donc il faut 14 000 crédits, c'est vraiment énorme. Pour acheter celle-là, ça sera 4 000. Pour acheter la Lizard Bayonet, ça sera 15 000. Pour acheter l'Absoluto Fatalita, ça va être la 20 000. 20 000, hein. Donc on est encore loin de pouvoir l'acheter. Donc là, à l'heure actuelle, je ne peux rien acheter.
Donc je n'ai qu'une grade 1. Donc grade 1. Alors ce qui est dommage c'est qu'en fait l'argent gagnable, vous voyez là c'est 2400, 3400, 3200. Bah, j'aimerais bien le gagner avec une classe 1 en fait pour pouvoir pour pouvoir remporter la course, mais je peux pas acheter classe 2 en fait. La seule classe 2 que je pourrais acheter, c'est celle-là, elle coûte trop cher. Alors est-ce que pour autant l'engineer shop pourrait pas acheter quelque chose? Ouais, on pourrait l'acheter. Écoutez, vu qu'on pourra pas acheter de voiture, je vous propose d'améliorer cette bagnole. Et on verra ce qu'on peut faire avec. Voilà, on va la tuner. Oh, regardez, elle a un aileron à l'arrière du coup maintenant. Incroyable. Et elle est passée en grade 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, on va pouvoir quand même faire restart en grade 2. Et on va du coup faire le premier circuit. Le premier circuit, on va pouvoir le refaire du coup en classe 2. Donc je pense que les voitures vont être un peu plus rapides. Vu que mes stats ont augmenté hein, au niveau de la voiture. Ok, bon c'est parti, avec une voiture plus rapide ça risque d'être de l'auto-tamponneuse. Bon du coup vous aurez compris que j'ai bien fait de ne pas m'entêter à faire refaire la course pour débloquer une voiture en grade 1, puisque finalement avec cette voiture améliorée je vais pouvoir faire le grade 2. Ah je m'en suis pas mal sorti finalement sur ce dérapage, bon j'ai un petit peu perdu de temps à la relance mais ça s'est bien passé. Alors par contre je vous annonce pas un podium loin de là. J'ai changé aussi la... J'ai changé la musique, hein. Vous avez remarqué, je change de musique à chaque course, comme ça je vous fais découvrir un peu la soundtrack entièrement. J'espère que j'aurai pas de problème de droit d'auteur aussi à cause de ça. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. On va pas dire qu'on est bon, mais là j'ai pas eu trop de temps à la relance. À chaque fois je me fais avoir la relance. Je pense qu'il doit y avoir une technique, je devrais peut-être arrêter de contrebalancer. Faut que la voiture pas en dérapage, je sais pas. Faut voir. Et dans l'entraînement je pense qu'on commencera à comprendre, mais pour le moment on va se contenter de ça. Ok, on est troisième. Apparemment, vous voyez, j'ai dérapé en restant sur la droite, en bloquant à droite pour. Enfin, la roue pour à droite pour rester à droite. Et en fait, elle a contrebalancé dans l'autre sens. C'était vraiment, vraiment particulier. Et du coup, j'ai perdu ma troisième place. Ça, c'est un peu plus embêtant. Bon, le second avait pas l'air trop loin. Vous voyez là par exemple, je comprends pas, je comprends absolument pas le dérapage, je pars en tous les sens. Je pense qu'il faut que je lâche, on va essayer. On va essayer de viser la deuxième place. Ouais j'ai fait 4 secondes moins bien que dans le premier tour quoi, alors que normalement le premier tour c'est censé être le tour le plus lent. C'est pas grave, on va se concentrer. Je suis parti en tête. Bon c'est pas grave. Ah, j'ai absolument envie de terminer deuxième minimum, hein, mais c'est pas en faisant ça que je vais réussir. Non, mais encore une fois, hein, encore une fois, je n'ai pas réussi à la loger. Alors peut-être qu'il faut que je fasse tomber la vitesse. Peut-être aussi ça, je sais pas. Mais comme je peux faire tomber la vitesse parce que je suis en manuel, bah, peut-être qu'il faut que je sorte de l'automatique, je sais pas. Si quelqu'un connaît le jeu, sait m'expliquer, je veux bien. Mais j'ai pas compris. Pour l'instant, j'ai pas compris.
Oh, j'aurais peut-être faire ça en mode entraînement aussi, peut-être que ça aurait mieux marché. Vous voyez là par exemple, je fais que déraper, je ne comprends pas. Il faut que j'arrête de vouloir déraper, peut-être que ça marchera mieux, je sais pas. Du coup, je vais même pas finir 3ème ni 2ème, je vais finir 4ème. Ah, je sens venir gros coup une maison, hein, parce que vu que j'ai foiré complètement la fin. Et voilà, j'ai fait un tour encore plus lent. En fait, j'ai perdu la course, voilà, comme ça vous aurez vu le Lost. Je me suis totalement loupé. Plus j'avançais en fait sur le circuit, plus je faisais n'importe quoi, parce que je n'arrivais pas à comprendre le drift. Alors du coup, j'ai 5 chances, hein, vous avez vu, si je veux recommencer la course. Écoutez, on fait une dernière tentative, et puis on se quittera là-dessus. 3, 2, 1, go! Bon, toujours le départ un peu galère. Alors aussi, il y a une chose pas très logique, je sais pas si vous avez fait attention. Regardez notre position quand on est parti sur la grille de départ. On voyait les deux voitures devant nous. Mais la voiture la plus loin de nous, en fait, elle était sur la grille de départ, enfin elle était sur la ligne d'arrivée. Du coup, je me pose la question, les 7 voitures ou 9 voitures devant nous, elles sont combien? Elles sont où sur le circuit? Elles sont à l'autre bout? Elles sont... Oh, j'avais pas vu, il y a un petit avion qui est passé. Petit détail sympa, enfin une petite bouille de pixels sympa. On va essayer de faire la même chose qu'au premier tour, mais on va le faire 3 fois. En gros, je vais essayer de pas déraper une seule fois de toute la course. Regardez là, je ne sais pas arrêter le dérapage. J'ai perdu énormément de temps parce que je n'ai pas su arrêter ce dérapage. C'est là où je ne comprends pas. Soit il faut j'appuie peut-être sur le carré, je sais pas. Et du coup j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Alors j'imagine qu'il y a peut-être un livret fourni avec le jeu, comme c'est souvent le cas à l'époque, il explique comment déraper, hein. Peut-être que voilà, le fait d'avoir le livret ça m'aurait aidé. Mais vous voyez, je dérape pas, je gagne plus de temps en ne dérapant pas, j'ai réussi à récupérer ma vitesse. Je suis parti avec 60 km/h en vitesse, alors que quand j'avais fini mon dérapage tout à l'heure, j'étais à 40. 40-45. Donc pour le moment, le dérapage ne sert strictement à rien. Qui me met dans le mur. Ne pas s'énerver. Mais arrête de déraper, c'est pas possible. Je n'arrive pas à la stopper, je n'arrive pas à l'empêcher de déraper. Alors peut-être qu'il faut que j'appuie sur carré, je sais pas, au rond, mais... Là, je n'arrive pas. J'ai beau essayer de pas la stabiliser, ça dérape trop. Et du coup, je n'arrive jamais à rattraper le troisième, hein, parce qu'à chaque fois que je suis bien placé, bah, je me loupe aussi. Bon bah là encore une fois on va essayer de pas déraper. On est dans un temps de graisse aussi, c'est un peu particulier cette portion là. Avec les petits toits ronds et bleus.
Alors on va essayer de terminer au moins en troisième position. On va dépasser ça là, c'est même pas la peine d'y penser. Au moins on aura fini troisième, écoutez. C'était quand même pas mal. Ça a été mieux sorti que la première, première tentative. Ouais, vraiment cette portion-là, voilà, on a l'impression d'être en Grèce, regardez. Alors là, on va pas évidemment les bons bâtiments, mais bon, tant pis, hein, je voulais vous montrer autre chose à la base. Voilà, un peu sur la gauche. Bon bah écoutez, on va se quitter là-dessus, c'était donc Rage Racer sur PlayStation. Bon, un jeu qui a pas mal vieilli, ma foi très sympathique sur le plan technique. Après, en termes de maniement, bon, je pense que j'ai pas spécialement intégré là, comment gérer les dérapages, donc on va pas se fixer là-dessus. Mais ça reste un jeu vraiment bien, hein. 96-97, ce jeu est un très très bon jeu. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre jeu. Ciao tout le monde!